Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une salade de carottes à l'orange. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. On a ici des oranges, de l'amande, des carottes, quelques graines de sésame, un petit peu de poulet fumé et ici, on a du vinaigre sushi. Alors, la recette est quand même relativement simple. On va d'abord commencer par créer des petites carottes râpées comme ça. On a ici nos carottes. On va prendre notre poulet que l'on va émincer. Alors ça peut être du poulet fumé, ça pourrait être un rôti de porc, ça pourrait être un petit peu de jambon, ça pourrait être aussi un reste de poulet rôti. Ou même pour ceux qui ne souhaitent pas avoir de viande, on pourrait mettre un beau tofu par exemple, fumé aussi, ça pourrait marcher très très bien, ça pourrait être très bon. Voilà. On va mettre d'abord les zestes et après le jus. Ensuite, on coupe en deux. On presse le jus. Ici, un petit peu de sésame. Alors moi, j'ai pris du sésame blanc, c'est pour éviter d'avoir trop de goût torréfié, justement. On pourrait prendre le grillé, c'est aussi bon. Mais... feuilles de menthe, ça pourrait être des feuilles de coriandre, des feuilles d'estragon aussi. Et là, pas trop fin, de façon à pouvoir tomber dessus et que ça donne du goût sous la dent. Hop, dedans, on va rajouter notre huile d'olive. Alors on peut y aller avec deux, voire trois belles cuillères à soupe. Le vinaigre sushi. Alors là, ça permet d'avoir quelque chose qui est moins agressif, quelque chose qui est un petit peu plus doux qu'un vinaigre classique. Maintenant, si vous préférez mettre ou un jus de citron ou du vinaigre classique, libre à vous. Mais pour une préparation comme ça, j'apprécie assez quand même un petit peu de fleurs de sel, tout petit peu de poivre, pas beaucoup, un tout petit peu. Et on mélange. Donc on est vraiment dans une recette simple à faire, sans cuisson. Voilà, une fois qu'on l'a fait, on prend un récipient bien propre. On vient dresser à l'intérieur. Voilà, et on met tout le mélange dedans. Donc voilà, quelque chose de simple. Donc, une viande ou un poisson, un légume cru, un agrume pour l'assaisonnement, ça pourrait être la clémentine, ça pourrait être un citron vert, un citron jaune, ça pourrait être du pamplemousse blanc, rose, un pomelos, enfin, libre à vous de choisir, mais surtout, créez vos recettes, prenez des photos, écrivez-les, vous nous les envoyez et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!